Troisième et dernière tentative, n'empêche, c'est chaud. C'est vachement chaud parce que déjà jouer en hardcore, c'est difficile. Alors en ultra hardcore, faut pas se prendre de dégâts parce que voilà, les pommes d'or, c'est rare. Régénération. Et ça régène pas beaucoup quoi. Bon, déjà le spawn est pas terrible. F3 et c'est parti. Ouais, je vais trouver des arbres à pommes. Là, c'est de la merde. Ça, c'est un biome taïga river. Voilà, attention. On va commencer à faire de la merde. Prendre un peu de sable quand même. Mais bon, on perd pas de temps. Faut que je trouve ouais, tout ce qu'il faut. Oh punaise, déjà une faille quoi. Déjà une faille avec du fer, t'es sérieux? Bon, je vais descendre le miner, mais quand même. J'aimerais bien être ailleurs que dans un taïga. C'est chiant les biomes taïga. Ouais, si j'y arrive pas, j'irai buter le dragon d'upgrade 4. Hein. Rien à foutre. Bordel! On s'en fout du bois. Ta ta ta. Je transforme tout ça. Hop. Je me fais vite fait des outils. Tac. Tac, ça me servira après. Je vais aller prendre du caillou et puis prendre le fer, surtout. Alors il faut aller en face, hein. Prendre du charbon aussi. Mais moi je veux des arbres à pommes là. Je veux des pommes déjà. Je vais rester en surface, prendre de la bouffe aussi. Voilà. Hop là, time to strike. C'est si bon. Alors, comment que je fais pour aller là? Du caillou, hein. Je vais chercher ce fer, après je me casse parce qu'il faut pas non plus perdre trop de temps. Voilà. Pas mal de fer, c'est bien. Popopo, je regarde s'il y a. Ah ben, il y en a en face aussi. Hop, voilà, on prend ça. Que je tombe et que je meurs hein, comme une merde. Il y en a là-bas. Bon, au final, on va rester là. Si je fais gaffe et que je me prenne pas de dégâts, ça se passera bien. Mais après, je ne garantis rien parce qu'au final, je me laisse distraire et après, ben, je crève quoi. N'empêche, la dernière fois, j'avais tenu un peu plus longtemps. Évidemment, on n'est jamais à l'abri. Bim, bim, et bim. Bon, il n'y en a plus. C'est bon. Par contre, il y a de la lave. Ce serait intéressant peut-être de la prendre, non? Non.
Non, 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 je reste. Je ne me disperse pas. Il y en a là du fer, je vais le ramasser vite fait et après on se casse. Remonte avant que la nuit tombe. Il y a un squelette là-bas, non? Allez, on se barre, on va essayer de trouver un meilleur biome. Là-bas, ça m'a l'air un peu mieux sur une île. Ah, du cochon! Bon, évidemment, pas de vache, hein, parce que le jeu, il aime bien troller. Hop. Le son est super faible. Voir dans les options, là, si je peux pas régler ça. Ouais, non, c'est... J'ai coupé la musique, ouais, bah ouais. Comme ça augmente un petit peu le stress. Putain, que dalle quoi. Cochon nous! C'est dégueulasse! Oh merde, un donjon! T'es sérieux? Déjà un donjon? Mais non. Bon, méfiance. Un donjon à squelette, en plus. Comme ça, au calme. Ah non, c'est peut-être pas un donjon. J'ai rien dit, c'est peut-être pas un donjon. Mais j'ai quand même entendu des squelettes, alors on va se casser, hein. Au final, je cherche toujours du chêne pour avoir des pommes. Hop là. Faut pas spam clic. Snapshot 15W40B. Les deux tentatives précédentes, c'était sur la 38. Entre-temps, il y a eu la 39. Je ne sais pas ce qu'elle avait apporté de plus. Je ne sais pas ce que cette snapshot-là apporte de plus. Je suis pas allé voir le changelog. De toute façon, je me doute que mon Mojang sorte des snapshots toutes les semaines. La 1.9 arrive très bientôt. Voilà. Bon, on va ramasser assez de porc pour manger et tenir. Et bah, là-bas, je crois que c'est des arbres à pommes. À moins que ce soit que des bouleaux, ouais. Ah là-bas c'est des arbres à pommes. Du coup on va couper ça, puis ensuite quand la nuit tombera, on ira s'enterrer. Parce que j'aurai pas le temps d'aller chercher des vaches ou de la canne à sucre. De toute façon la dernière fois j'étais mort avant d'avoir pu avoir la table d'enchant. Je me rappelle même plus si j'avais eu des diamants. Ah si, je crois que j'en avais eu, mais qu'il y en avait un qui avait cramé. Et bah j'étais blasé quoi. J'étais complètement blasé. Ah bah voilà des arbres comme je les aime. C'est cool. Biome forest. Voilà. Ça c'est bien ça. Au bord de l'eau, bon. C'est pas cool parce que bon, les mobs s'ils crament, ils vont dans l'eau. Avant, quand je jouais à Minecraft, j'allais pas vers les pieuvres parce que j'en avais peur. J'avais peur de leur gueule, là, leurs dents, j'ai cru que ça allait me bouffer. J'étais con, hein. C'est débile, hein, mais bon. Non, c'est inoffensif comme tout. Puis bon, ça sert à rien à part juste avoir de l'encre noire. À la limite, tu coupes un mouton qui a de la laine noire et puis voilà, hein, c'est plié. Les pieuvres, ça ne sert à rien. Ça ne donne même pas de bouffe.
Les moutons sont plus utiles parce que quand tu les tues, ils donnent de la bouffe enfin. Enfin là, ce n'est pas la question. Moi, je veux des pommes. J'ai déjà des côtes de porc. Je coupe les arbres en attendant que la nuit tombe. Comme ça me fera du bois. J'ai déjà du fer, ce qui est très très bien. Je pourrais déjà me faire mon petit bouclier et un début de stuff tranquillisé au calme ma gueule. Titi, on bûcheronne. Est-ce que j'ai beaucoup de charbon? Non, j'en ai pas ramassé beaucoup. C'est pas grave, on va flamber les pousses d'arbres. Voilà, la nuit commence déjà à tomber. Ça serait bien que j'ai des petites pommes. Avant de commencer à miner, j'ai commencé d'ailleurs. Et puis quand ce sera chaud, je vais me planquer. Ça va déjà commencer à spawner. Titi. On va faire quelques torches déjà. Hop là, histoire de éclairer les alentours. Une pomme, ouais! Bon, je suis content, j'ai une pomme. Mais une pomme. On peut m'en donner une deuxième? Non? Bon, après, j'ai pas coupé tant d'arbres que ça, mais. Pas de pomme supplémentaire, tristesse. Allez! Oh là là, il y a un squelette qui a déjà spawné! Ah, une pomme! Yes! Non? Non, bon, on fera avec. On fera avec ça. Si je suis plus prudent cette fois-ci et que je me fais pas avoir, je n'aurai pas besoin de régénérer ma vie. Ah, une autre pomme. Bon, ben voilà. On va pouvoir commencer là. La nuit est déjà bien tombée. Faut que j'aille me planquer. Hein. Sinon, le chat noir, il va se prendre des patates là. Et j'ai pas envie que ça recommence. Comme on dit, jamais 203, mais j'aimerais bien réussir quoi cette fois. Allez, on va rusher dragon. Je bouche. Et je continue à miner. Hop. Il va falloir que j'accuise ma bouffe et mon fer. Ça va, j'ai gardé assez de charbon. Il faudrait que j'en retrouve du charbon. Elle était quand même bien, hein, la faille qu'on a vue au début. Ah, déjà une caverne. Ouh. Je vais éclairer. Encore du fer. Oh. C'est intéressant ce qui se passe là. Et plus beaucoup de charbon moi. Toi, tu veux qu'on fasse du free fight? Hop là. Voilà. Bon. Toi aussi, tu veux qu'on fasse du free fight? Voilà. Bonjour, la chauve-souris.
Non mais laisse-moi poser ma torche. Bon, ben voilà, j'ai mon seau de lave. Après, pour le seau d'eau, j'ai qu'à sortir. Encore du fer là. Je commençais à faire fondre, à faire cuire ma bouffe. Histoire de se mettre bien là, on commence déjà à avoir un petit stuff. J'ai l'impression que ça se passe mieux, mais faut pas que je sois trop confiant non plus. Du charbon. C'est good. Ah. La pioche en bois. Ultra long. Encore du fer. Bon allez. On va poser notre stuff. J'ai plus ma table de craft, moi. Ah ouais. Le mec, il se barre sans sa table de craft. Dididi, trois fours. Oui, parce que j'aime faire plusieurs fours. Je vais faire cuire ceci. Yop la boum. Tiens, je vais en faire un autre de four. Ce sera le four où on met des cochonneries. Est-ce que ça cuit? Non, ça cuit pas ça. Bon, on va mettre ça. Hop. J'ai faim! J'ai hâte de pouvoir me faire mon stuff. On va transformer le bois. Pas tout non plus quand même, hein, on n'est pas des oufs. Alors, je peux déjà commencer à me faire une meilleure épée. Du coup, celle-là, on peut l'acheter. Ensuite, très important. Les seaux et la pioche. Le bouclier. Ah non, c'est pas. Je me rappelle déjà plus du craft du bouclier. Hop. Ensuite, je mets ça et je mets ça. Histoire d'être couvert. Sortez couvert. Là, un petit charcot là, comme ça. Faut que je me refasse des torches. Voili voilou. Bon ben voilà. Pantalon. Et c'est parti. Peut-être me refaire ouais, une petite pioche comme ça et voilà. Et voilà, on est plutôt bien là comme ça. Des blocs.
Allez, on peut partir explorer le reste. Je vais miner ça. Miner le fer. Il me manque 9 de fer pour faire le pour finir mon armure. Enfin, pas exactement 9, ouais, 8. Plus bah beaucoup pour l'enclume, hein. 31, je crois, il faut pour l'enclume. Donc, ouais, il m'en manque une quarantaine quoi de fer. Plus tout ce qui reste à côté pour faire des fusions et tout. Mais l'objectif, avant tout, c'est de trouver du diamant. Donc, je vais descendre. Je suis à quelques chose, je suis encore beaucoup trop haut. J'ai récupéré un seau de lave. Et puis ben, on va descendre. Hein. On est paré. Encore du fer ici d'ailleurs. Le charbon, c'est bien le charbon, c'est bon. Pourvu que je me fasse pas attaquer par un creeper ou un squelette. Avec la chance que j'ai, ça pourrait très bien arriver. Je vais faire plus de. Quatre, c'est parfait. J'ai torché l'endroit. Bon, ça c'est very dangerous. Je vais boucher. Plus besoin hein, maintenant. What? Je suis où là? Près de la plage? Ça c'est un zombie. Il y a des araignées aussi. Ah non, un creeper. D'accord, le creeper il sait où passer, hein. Ah, il a pété, il a pété. Voilà. Tu viens pas me chercher des poux dans la tête. Viens l'araignée. Viens, 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 viens. Yes, du fil. Du fil et une aiguille. Bon, un seul fil, hein. Mais c'est vrai, il faut que je me fasse un arc aussi, c'est. C'est goldé les arcs. C'est super pratique les arcs. Hop. Alors avec tout ce charbon, attention au coup de grisou, hein. Voilà, ça c'était la blague de la soirée. Bon bah je risque pas de manquer de charbon. Je préfère avoir mon armure complète. Vous savez quoi? On va faire cuire le reste. Voilà. Je me sens plus rassuré quand je suis complètement armuré, on va dire. Complètement habillé. Tellement de charbon! Un régal.
bah ça continue par là. Waouh, oui, ça continue même par là. Oula, il y a tellement de choses à voir. Ouf. Alors, on va éclairer tout ça, hein. Éviter une mauvaise surprise. Bon, là, ça remonte. Mais je m'en fous. Je vais explorer vite fait. Il y a de l'eau. Ça doit être l'océan là, non? Hein? Sors de là! Prends la source! Prends la source! Ah, mais c'est la sortie! Non? Bon, je bouge alors. Ouais, je bouge, c'était la sortie, je crois. Je pouvais pas prendre la source d'eau. Il y a ça. Prendre encore. Alors, attention à la sandstone. Pas mourir bêtement. Hein. Là, je prends ça. Je vais finir par y arriver à l'enclume. Ça va être cool. Ça va être très cool. Hop là. Ensuite, ça continue par là. Oh là là, tellement de ressources ici. Faudrait que je descende. Putain de creeper. Ouh. Le bouclier a pris, de même que mon armure, mais je n'ai pas eu de dégâts. C'est bien. Comme quoi, hein, ça peut servir un bouclier. Bon allez, il n'y a plus rien à voir ici. Je vais prendre ça. Puis après, ouais, il faudra qu'on descende un peu plus. Hein. Parce qu'on n'est pas encore à la couche de l'or et du diamant. Et moi, c'est ce que je veux. De l'or et du diamant. Le fer, c'est bon, quoi. J'en ai assez, hein. Combien j'en ai là? 27. Ah. Non, c'est peut-être pas assez finalement. J'ai récupéré ce qu'il y a là. Je vais me casser d'ailleurs. Ouais, j'ai ramassé assez de charbon. Après l'XP, voilà. Si j'ai besoin, je reviendrai ici de toute façon. Et j'ai assez de pommes, là j'en ai 3. Ouais, enfin, on n'a jamais assez de pommes, hein, vous allez me dire. Mais voilà, je reste là. Voilà, ça c'est fait. Je prends ça. La pioche va se casser bientôt. Faire une de pioche, ça continue à descendre par là. Ah oui, il y a du fer là aussi. Oh putain! Ah, tu m'as pas eu, enfoiré! Zombie! Oh, une carotte! Cette chatte!
Avec Reaper, évidemment. Pour compléter le trio. Non. J'aimerais bien. Bon, c'est pas grave. Il a pas explosé le fer. Je crois que ça n'explose pas le fer. Quand ça pète, c'est ça, T. Je suis à quelle couche là? Je suis toujours à la même couche. Oh la vache! Non mais là c'est bon là, arrêtez, stop! Stop! Vous êtes sérieux là? Mais non! Cassez-vous! Je vais pas par là. Je ramasse le fer qu'il y a là. Et je taille la route. Hein. Je me barre. Je continue pas. Non, on peut pas prendre de risques inutiles. Pas être trop gourmand. Là j'ai combien là? J'ai presque ouais, quasiment un stack de fer. C'est bon. C'est bon les gars, c'est bon. Je vais aller chercher les diams. Oui, alors j'avais dit que j'allais finir mon armure. Voilà, ensuite, oui, je vais me refaire des pioches, même si j'ai une pioche en fer, ben, je préfère avoir des pioches en stone. J'ai une flèche, quand même bien, et voilà, maintenant on va continuer. Par là, j'ai pas tellement confiance. Encore du fer. Alors, faudra que je me réaménage une sortie quand même de secours. J'ai de l'eau, tiens, je vais la prendre. Hop. Ah, mon émeugrate. Bibibi, hop. On descend. Hein. Ouais, la sortie de secours, c'est pas ça. Oh. Ah non. Mais ça remonte direct. Ça remonte direct. Sans déconner. Ok, d'accord. Le gravier qui me troll. Ouais. Sinon, le... ça se passe comment, là, au niveau des... Comment je progresse là? Je suis à la couche 18. Bon, on va encore creuser. Ah d'accord, c'est par là que ça se passe. Oulolo. Oulolo. Je crois que j'ai tapé, j'ai cogné la fourmilière là. Bonjour. Oh putain. Il y a un putain de squelette. Je l'entends. Non. Non mais explose pas, enfoiré! Bordel! On va éclairer la zone. Hein. Ah, il y en a encore un, mais... Non mais stop les creepers, là! Première fois que je vois autant de creepers. Non, je plaisante, mais... Quand même, quoi. Tu te poses des questions sur le spawn?
Bim! Heureusement, je n'ai rien pris. J'ai ma bonne étoile avec moi. Alors, il y a un salopard de squelette qui se planque. De l'or! Oh, il a un arc enchante! Le salaud. Ah non, il a pas droppé son arc. Ah, je suis vert. En fait, il s'est tué tout seul parce que sa flèche a rebondi contre mon armure, mon bouclier, et ça l'a tué. Ah, du coup, je suis un peu vert, quoi, parce que j'aurais bien voulu l'avoir, son arc enchante. Il devait être power, très certainement. Cool, de la redstone. Donc là, on est à la couche diams, hein, couche 12. J'ai vu de l'or là-bas, je vais aller le prendre. Bon, malheureusement, pas assez, hein, je pense. Pas suffisamment d'or. Mais c'est un bon début. Aussi, il y a assez pour faire une pomme. Attends. Combien ? 7. Ah non, pas assez. Pile poil, pas assez. Je commence à avoir beaucoup de choses, hein, dans ma besace. Ça, je m'en fous. J'ai un flint, je peux déjà faire un briquet si je veux. J'ai du gravier. Ouais, j'ai pas mal de choses fort intéressantes. Continuons à miner par là. Et puis ben voilà, en espérant découvrir du diamant. Bon, déjà de la terre, c'est pas bon signe. Putain, mais la terre quoi, fous-moi la paix. GG Alex. Ah, j'entends de la lave. Ouais, non, je sais pas où je vais, des fois je tourne, des fois voilà. Ah. Je l'ai trouvé la lave. Allez. On va arroser ça. Ah, yes, de l'or. Bon, bah déjà j'ai une pomme. Du fer, ça ne se refuse pas. Du diamant, s'il vous plaît. Non, pas de diamant. Bon. Tant pis, hein, je vais me faire foutre. J'suis toujours à la couche 11. Ça, c'est dangereux. Je bouche. Là, on est clair, hein, pour pas être embêté après. Couche 11, voilà, on va continuer par là. Ouais, j'y vais un peu au pif. On verra bien ce que ça donnera. Encore de l'eau. Hein. Bon, évidemment, si je tombe sur du diamant, il m'en faut 5. Comme ça, je fais la pioche. Je ramasse de l'obsidienne.
assez pour faire la table et la porte du nether. Après, je remonte, j'essaie de trouver des vaches pour avoir du cuir, ensuite de la canne à sucre pour avoir du papier, vous connaissez la chanson. Pour l'instant, là, c'est trouvé beaucoup de fer, mais après pour le reste, nada, rien. Que chi. Je creuse. 3 heures après, il n'a toujours pas de diamant. Ah, j'entends encore de la lave. Ça m'a l'air d'être par là. La redstone. Ah. Jeter un œil à tout ça. Non, la redstone, c'est tout. Rien d'autre, pas de diams, pas de diams. Ouais, c'est un petit truc, hein. C'est vachement confiné. Je ne vois rien qui pourrait s'apparenter à du diamant. Ah bordel! Et par là, il y a quoi? Ah enfin, punaise! Ah ben voilà! Le précieux! Allez hop. Bon après s'il y en a qu'un, franchement c'est du foutage de gueule le jeu. Non ça va. La durite, je m'en fous. 1, 2, 3, 4, 5. Ok c'est assez, on se casse. J'ai ce qu'il me faut pour faire ma pioche. On va la faire d'ailleurs tout de suite. Et ouais mon gars. Parce que je suis un ouf, je suis un gdin. Je suis un gdin. Bif, bim, bim, bim. Voilà, on fait ça. Hein. Ça, on vire ça, on vire ça, on vire ça. Évidemment, je ramasse tout. Du coup, la motion on s'en fout, la cobble on s'en fout, l'andésite on s'en fout, la dirt on s'en fout. Voilà, et on va miner ça. T'as un stack de fer pratiquement. Ah bah punaise, j'avais pas aussi bien progressé quoi. Et en moins d'une heure. Bah mais oui, mais bien sûr, bien sûr. Comment te troller davantage, Minecraft. Ce jeu de merde, je vais laisser ça là. Et je vais miner. Il y en a en dessous, paraît combien? Non. Bon. Je vais pouvoir récupérer mon opsy ou non?
Allez, j'en mine. Combien il en faut pour le portail? Il en faut. On va dire 14 au total. Par contre, dans le Nether, je vais en chier, hein. Punaise. Oh, oh là là, faut récolter tous les bâtons de Blaze et tout. Sachant que pareil, hein, pour les bâtons de Blaze, il m'en faudra une bonne dizaine si je veux être tranquille et pour pouvoir chasser les Endermen sans souci. La vache, je vais galérer un max. Combien j'en ai là? 9. Sécurité, je vais récupérer de l'eau et la placer ailleurs. Ici par exemple, on va miner ça. Encore 2-3. Allez, ça ira comme ça. Je récupère ma flotte. Hop. Je récupère ma table. Et on se casse. Et boum! Mission accomplie. Diamant. Après, j'en ai pas besoin de plus, hein. Franchement, si je veux me faire du bon stuff, ce sera en fer, full armure, protection, épée sharpness ou smite. Par contre, je ne sais plus d'où je viens. Je viens de là. Je viens du blues. Voilà! C'est ça, mon gars. On remonte. Alors, on va essayer de faire les choses proprement. En remontant comme il faut. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Bah merde, alors, la sortie, c'est où? Ah, c'est, je viens de peut-être d'en haut. Oui, je viens d'en haut. Eh ben, si je viens d'en haut, on va remonter à l'arrache. Oui, c'est de là que je viens. Bon. On empile des blocs. Bon, maintenant la vraie sortie, et là je déconne pas, elle est où la vraie sortie? Il me semble que ce n'était pas par là. Ce n'est pas par là non plus. Ah, quoi que. Aïe. D'où vous sortez-vous? Non mais.
C'est une zone que j'ai pas explorée. Bon, j'ai perdu un cœur, c'est pas grave. On pourra se soigner. Le problème, c'est que ouais, j'ai pas trouvé non plus. Ah, c'est d'or. Je n'ai pas masse d'or. Ça peut être problématique. D'où je viens? Pas de là. Ça alors, je ne sais plus. Oh, j'avais pas éclairé ici. J'ai mal fait mon boulot. Toujours dans le biome forêt, donc à la limite, si je creuse comme ça, en sortant n'importe où, je retomberai sur des arbres favorables. Mais après, voilà, comme je l'ai dit, je n'ai pas beaucoup d'or. À la limite, je m'en fous de trouver des pommes. Maintenant, ce qui importe, c'est trouver des vaches et de la canne à sucre. Et après, aller dans le Nether, ouais. Seulement si je suis bien enchanté, hein, là, on ira peut-être pas tout de suite. C'est la nuit, tu te fous de moi? Ok! Le problème, c'est que, ouais. Je sais pas où chercher de l'or, quoi, en plus. Hein, je veux bien être gentil. S'il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'or. Je vais pas non plus creuser toute ma vie pour trouver de l'or. Oh, t'es sérieux, encore un squelette. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant que la nuit passe, je vais faire cuire tout ce que j'ai à faire cuire, c'est-à-dire l'or, le fer. Comme ça, j'aurai de quoi faire l'enclume. Voilà. Du coup, mes fours, je les place là. Comme ça, on optimise au max. Donc oui, enclume. Et puis, ouais, le reste du stuff, quoi. Enfin, le reste du stuff, non. Je le ferai après, quand j'aurai la table et tout. Une carotte, hein, quand même. Une carotte. Une putain de carotte. Ça alors, c'est très très important. Je vais peut-être même me faire ma pomme. Ouais, non. Ça prendrait un slot pour rien. Mmh.
pareil, hein, niveau bouffe, ça va être un peu juste. Ah, il faut que je ramasse du sable aussi, que je fasse cuire. Du sable, j'en ai vu à côté. Il est pas là le sable? Est-ce que je l'avais vu? Pas vu de sable. Bon. Tant pis. On en trouvera du sable à la surface. Il faut que je me fasse mon briquet. Bon. Tout ce qui m'importe, c'est de remonter à la surface de jour. Ce serait bien. De fer. La situation n'est pas optimale, mais ça pourrait être pire. Je vous rappelle que ben la première fois je suis mort au bout d'une demi-heure, la deuxième fois au bout d'une heure et quelques. Là, ça fait une heure et... Enfin, ça fait un peu moins d'une heure. Et je ne suis pas mort. Et ça, c'est beau. Me connaissant. Un stack de fer. Pile poil. Allez, on se barre. J'espère que le jour s'est levé. La sortie, c'est derrière moi. Ah non, c'est toujours la nuit. Elle vient de tomber, c'est pas possible. Oh là là, pas sérieux. Comment perdre du temps dans Minecraft? Le tutoriel. Vous prenez une table de craft, vous faites des blocs de fer à gogo. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux me faire? Débarrasser de la merde que je me trimballe. La fleur je la garde parce que c'est symbolique. Ok, les araignées si vous voulez. Je peux me faire une pelle à la limite. Ouais non, je vais mettre ça comme ça là. Enfin, je vais gratter ça. On va avoir du silex peut-être. Je crois qu'on n'a pas plus de chances d'avoir du silex si on fait ça avec une pelle. Je ne sais plus, mais non, je crois pas. Voilà, silex, c'est good. Deuxième silex. Ah, il me faudra des poules aussi, des plumes. Enfin bon, j'ai toujours pas d'arc. Vu que j'ai qu'un seul fil. J'ai pas envie spécialement de tuer des araignées, mais bon, c'est la seule façon quoi. À moins d'aller dans un mineshaft. Un arc, ça sera... Ouais, en même temps, un arc, c'est obligatoire quoi. Dans le Nether, il y a les ghasts. Les blazes...
À moins de la jouer finement, ben faut les shooter aussi. Shepard vient de se connecter. Bon bah, je sais pas ce que je peux faire de plus. Hein. À part attendre que la nuit passe. Ramasser plus de ça. Et... pas le choix. Hein. Je casse ma pioche, voilà, me sert plus à rien. Maintenant j'ai la pioche en fer et surtout la pioche en diams. Les squelettes qui s'enjaillent dehors. Bordel de squelette! Vous pouvez pas vous casser? Oh la vache! Vas-y, tire-moi dessus! Vas-y, recule, bâtard! Allez, bim! T'as pas droppé ton arc! Connard. Ah bah je suis là où j'étais en fait. Là où j'ai creusé, ouais. Là, voilà. Je suis là. Du coup. Ah bah c'est ça. Ensuite, bah oui, trouver de la canne à sucre. Et des vaches et des poules. Prends du sable pour faire du verre pour les potions après. Hein. Je pense que vous le savez. 24, ça devrait aller. Allez, à l'aventure! Bonjour l'araignée. T'es gentil, hein? Ouais. Allez, un fil supplémentaire. Ah si je pouvais. Ah bah tiens, vous donnez des. Vous donnez du cuir vous. À part de la bouffe. Putain. Oh une patte de lapin. Mais c'est un loot ultra rare ça. Oh la vache. Quelle chatte. Quel chatteux je suis. Et du cuir, non? C'est pas possible? Non mais, reviens là! Reviens là, mon ami! Ah voilà, du cuir! Oui, la redstone, je m'en fous un peu. Non mais, reviens! Je veux pas te manger! Mais enfin! Oui, la cobble, j'ai eu tort de la virer. La redstone, on s'en fout. Voilà, je garde ma cobble. Alors, ouais, deux cuirs de lapin, c'est pas folichon. Hein. Donnez-moi des vaches. Oh, tellement de lapins. Oh, la force, je vais pouvoir quand même l'avoir, hein, mon truc. Non, mais viens, mon ami, viens. Oh putain, j'ai pas envie de te courir après, lapin! En plus, il se tue tout seul.
Ils peuvent pas venir sur la tête. À un moment, je crois, non, qui c'est possible. Hop là. Eh. Yeah, j'ai mon cuir. Alors, j'ai pas eu l'achievement, on s'en fout. Ouais, c'est assez pour faire un bouquin. Un seul bouquin. Merde. Bon bah faute de vache, hein, on va continuer à tuer les lapins. Oh pauvre petit. Ta maman elle m'a rien droppé. Elle est tout plein de lapins. Hein. Allons-y. Sinon c'est quand que je trouve autre chose? Genre des poules ou... ou de la canne à sucre. Et c'est là qu'il y en avait, mais que j'ai pas vu, tu sais. Normalement, je suis attentif. Ah, de la canne à sucre là-bas! Oui! Après, on est en forêt, hein. Donc là, biome river. Je regarde vite fait au loin s'il n'y a pas des, trucs. Non. Bon. Par contre, ouais, je commence vraiment à avoir beaucoup de choses. Viande de zombie, ça ne me servira jamais. Alors aussi la dernière fois ce qu'on avait trouvé qui était vachement intéressant, c'était un village. Alors les villages, c'est utile parce que il y a des bouquins. Après bah. La dernière fois quand j'avais trouvé le village, j'étais mort en poule après. Hein. Et puis à moins d'aller dans le désert, je peux me brosser quoi pour les villages. Hein. De toute façon si la nuit tombe, je gonnais heure. Rien à battre. Ouais des poules. Des poules. 4-4-4. Yes. Trop de stuff. Voilà. Yes. Donnez-moi toujours plus de plumes, des plumes. Bonjour. Et toi le lapin là. T'as peur? Les lapins qui drop que dalle. C'est quoi le taux de drop de ces bestioles? Alors c'est que j'ai vraiment pas de veines. On continue à explorer la zone. C'est fait vraiment un gros guerrier qui se balade avec son bouclier. Là. Plus de bouffe. Qu'est-ce que je peux virer? Pas besoin d'autant de bois. Cochon! Faut de mieux. Où en est le soleil? Il va bientôt se coucher. Ouais, c'est joli ici, hein. Le problème c'est que voilà, il y a trop de d'arbres et pas assez de vaches. Encore de la canne à sucre là-bas. Je sais pas si c'est nécessaire de la prendre. Bah si, à la limite pour le sucre, pour faire des potions de speed. Allez, on y va. J'arrive dans l'océan là. Beach. Biome beach. Pas de vache.
Mais j'ai eu des plumes. Ouais, bon, 4. Ça me servira à rien si je n'ai toujours pas de d'arc. Ah bah oui, il pleut, forcément. Forcément, il pleut. T'as de la chance, lapin, je vais pas te tuer. Bon, allez, comme la nuit tombe, on va s'enterrer vite fait. On va se faire un petit camp de base. Voilà, je bouge ici. Lumière! Lumière, bordel! Elles sont où mes torches? Elles sont là. Voilà. Je me fais un espace assez grand pour la porte des étoiles. Et puis, ouais, c'est l'heure des choses sérieuses là. Enchante et tout, fusion. Si j'ai pas assez, bah, je recreuserai pour miner du charbon. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, poser table de craft. Ensuite, hop, ça. Et ça. Ensuite, ça. Les deux diamants. Et boum! Enchanteur. Avec l'anvil. Et merde, j'ai oublié le lapis. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Le lapis lazuli. Le lapis lazulol. Eh ouais. Quel sac. Oh là là. Je suis vraiment le pire. Bon bah, on va recreuser, hein. Trouver du lapis, machin truc. Bon bah on n'est pas près d'y être, hein, dans le Nether. Poser mes fours, faire chauffer des bricoles. J'ai commencé à manquer de charbon. Non, je déconne. Allez, à la pioche en diams. Plus de respect. On va redescendre à la couche 10. Où on va visiter les cavernes d'IKEA. J'ai quand même. Ah bah voilà, caverne. J'ai quand même fait pas mal de chemin. Ok. Ça sert que je ramasse le fer, sérieux. Je peux pas m'en empêcher, faut que je mine. Zombie. Meurs.
Quand même, je me demande c'était quoi la Mossy Cobble que j'avais vu. C'est quoi là-haut? C'est une chauve-souris? Ou une connerie de creeper? Non, c'est une chauve-souris. Un creeper! Vaut mieux qu'ils explosent en fait, avec le bouclier. Je prends pas de dégâts. Oh, c'est immense. Bon, je risque peut-être pas de trouver de la pisse. C'est ça le problème. Mais encore une fois, c'est un vrai gruyère. On va rusher éclairage. Encore plein de fer. Elle a l'air infinie cette caverne. C'était quoi ce bruit? Ça doit être mes écouteurs. YOLO! Bug d'éclairage. Hop, je prends ça, vite fait. Du charbon. Putain, j'avais complètement oublié le lapis. Je me disais bien que ça se passait trop bien. En fait, ça se passait trop bien et voilà. Il me manque un truc. Et le truc qui manque. Typique. De toute façon, je pense pas que ce sera à ce niveau-là que j'en trouverai. Seulement, avec la pioche en diamant, ça va tellement vite que je peux me permettre de miner à outrance, comme je le fais là. Continue l'exploration. Vite. Bush. George W. Bush. George W. Bush. Voilà. Par là, ce sera mieux. Lol. Oui, je commence un peu à y aller en mode YOLO. Ah, couche 34. Ce sera bien pour miner encore plus bas. Et descendre dans les profondeurs. N'empêche, je suis curieux de voir ce qu'il y a là-bas. Ah, ils peuvent toujours me tirer des flèches là. À travers la lucarne. Toi. Par où je viens? Je viens de là. Il y a encore des endroits obscurs ici. Ouh. Beaucoup de fer, mais aussi beaucoup de mobs. Je les entends. J'entends des gens qui sont morts. Ce sont des archers squelettes! Ils sont où?
Non? Bon. On va récupérer ouais, le fer qui est là. C'est gratuit, profitons-en. Hop, hop, hop. Solde sur le minerai de fer. Un miné, un gratuit. Non mais là ils font vraiment peur quoi. Je les entends. Ah, une araignée, c'est plus intéressant. Oh, toi t'as spawné. J'ai peut-être pas assez éclairé, je me barre. Oh la vache. Ah non, mais c'est encore un truc au-dessus. Oui alors, sécurité. On éclaire. Non mais moi je dis pas non, hein. Plus je descends, mieux ce sera. Y a encore tellement de fer. Différentes textures de... Ah non, c'est parce qu'il y a du granit à côté. Ça me rend confus. Bon là ça remonte, c'est pas cool. Je prends ça. Sinon j'aimerais bien un peu d'or et du lapis. Aussi, ça serait bien. Ah, le lapis, je sais plus à quel, à partir de quelle touche, de quelle couche, pardon, de quelle touche on peut le trouver. Et j'aimerais bien en trouver. Allez, un stack de charbon, comme ça on n'en parle plus. On y est presque. Tac, tac, tac. Ça continue encore, mais c'est dingue. C'est la folie ici. Oh là, je vais encore me ramener avec un stack de d'or, de d'iron. Ça, c'est les endroits où je suis déjà allé. Hop, allons de ce côté-là. Les histoires d'amour finissent mal. En général, il a une épée, lui. Il est sérieux? Alors, la source d'eau, elle va me faire chier. Donc, hop, merci bien. Évidemment un creeper, hein, sinon c'est pas drôle. Ah mais en plus il a une épée en fer, quoi. What the fuck? Ouh. Oh, j'ai pris cher! Ouh la vache, j'ai volé. J'ai pris cher, hein. 2 coeurs et demi, c'est pas marrant. Enderman! Ouh là là, j'ai peur pour ma vie là. Ouh la squelette. Regardez l'Enderman! L'archer, tu m'as pas vu. Ouf, je prends des risques, hein. Je prends beaucoup, beaucoup de risques. Je suis pas loin de la couche aux diams. On se barre. Oh la vache!
Toi, tu viens pas me chercher. Attention, danger. Bon, ça m'a l'air inintéressant. J'ai un petit peu mal là, 2 cœurs et demi. Une pomme d'or ne suffirait pas. Oh, t'es sérieux? Bon, tu te noies. Vas-y, noie-toi mon ami, noie-toi. Vas-y. Pas de soucis, en plus t'as des bottes. Voilà. La débilité, bim. Toi aussi crève. Ah, t'es content? T'es heureux dans ta vie. Bon. Sinon, est-ce qu'il serait possible d'avoir du lapis? J'ai cru voir un squelette là-bas, non. Ça va aller. Ah si, il y en a un. C'est bien ce que je pensais. On va boucher. On va se faire emmerder, hein, quand même. Oula. Oh, oh, je l'ai esquivé de peu. Il y a cette eau là qui me casse les pieds. Stop. Ah, enfin du lapis, bordel. Putain, je venais que pour ça, hein. Je l'ai récupéré, parfait. Bon, tant qu'on y est, est-ce qu'on n'essaierait pas de chercher de l'or? Parce que mine de rien, j'en aurais bien besoin. Ouh. Ils sont motivés là-bas, hein. J'ai pas éclairé là, ça serait dangereux. Bête même de mourir à cause de ça. Ouais, non, là-bas je crois que il y aura rien d'intéressant. Diamant supplémentaire, je sais pas ce que j'en ferai. Il me faudra un filon de 8 à la limite pour un plastron en diams, mais bon. Ouais, non, je vais me contenter de ce que j'ai. Je vais remonter. Alors, remonter, oui. Mais encore faudrait-il que je puisse retrouver d'où je viens. Oh, genre, j'avais pas vu. J'avais pas vu ça. En passant comme ça, hop là, j'ai pas vu l'or. Ok. Il n'empêche que. Ah non, j'en ai toujours pas assez. Il m'en manque un pour une deuxième pomme. Sérieusement, le jeu. Le jeu se fout de moi, hein, vraiment. Oh la vache! Ah, tu m'as pas donné de fil. Saloperie! Et toi là, qu'est-ce que tu fous là toi? Non mais oh! Voilà, explose si tu veux. Ouais. Je viens d'où moi? Il faudrait que je remonte. Je viens d'une galerie que j'ai creusée.
Faudrait que je retrouve cette galerie. Ça serait bien, parce que j'ai comme un con, j'ai déposé tout mon matériel là-bas. Et comme je suis bon en orientation dans ce putain de jeu. Oh merde. Je suis perdu! Non! Oh non. J'ai laissé ouvert, hein, j'ai pas bouché. Ça, c'est parce que c'était dangereux. Je crois que je viens de là. Ouais! Bon, on va pouvoir progresser. Heureusement, j'ai encore une bonne partie de ma vie. Yes, de la bouffe. Yes, heureux de la bouffe. Hop. Encore de la bouffe. Et c'est parti! Une petite pomme d'or pour se remettre bien. Miam 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 miam. Faire un coffre parce que j'en ai marre de me trimballer des ordures ménagères. Donc je vais mettre tout ce dont je n'ai pas besoin. Hop là, trop de cobble. Ça, je m'en fous. Ah, j'ai des os aussi. Je vais faire cuire le sable aussi. J'en ai bien besoin. Pâte de lapin, je crois que ça sert pour les potions de jump boost. Ça et ça, voilà, je garde, ça peut être utile, tout comme ça. La redstone, je ne l'ai pas gardée. J'ai viré toute la redstone. Tant pis, la redstone, au pire, je redescendrai. Alors, à Dunkwe, des trucs pour enchant. Et l'épée. Hop. Hop. Je vais enlever ça et le ranger parce que oui, il faut toujours enchanter du matériel neuf. Protection 1. Protection 1. Projectile protection, non. Unbreaking, non. Projectile protection. Mais sérieusement? Efficiency. Protection. Non. Sharpness 1. Non, toujours pas. Sharpness 1. Protection. Ok, on va pouvoir déjà commencer à fusionner des trucs là. Et de sharpness, par exemple. Voilà. Sur une bonne protection.
Tac, tac. Hop, reprotection. Reprotection. Ça coûte trop cher. Feather Falling. Intéressant. Et protection. Allez, on va fusionner tout ça. Les protections à l'ensemble. Feather Falling, combien ça me coûte? Oh. Pas cher du tout. Et voilà, j'ai tout. Sharpness 2, hein, je pense que ça suffira. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. À part de la redstone. Puis de toute façon, les niveaux dans le Nether, il y en a. Voilà. Je sais pas à m'en faire. Vieille armure, du coup, on s'en fout. La vieille épée, ouais, on s'en fout aussi, hein, du coup. Ça, voilà. Ça. Et voilà, bon. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Puisque il faut que j'aille dans le Nether. Place les blocs. Bon. Je récupère tout mon matos. Là-dedans, il n'y a plus rien d'intéressant et bah c'est parti. Hein. J'ai peur.